Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour ce week-end, donc le samedi 30 et le dimanche 31, dernier week-end d'octobre déjà, et en plus le 31, ben, ce sera Samhain ou Halloween, comme vous voudrez, donc ce sera un week-end chargé en énergie. Bon, ben, du coup... J'avais envie du coup de vous sortir mon oracle d'Halloween, hein, forcément, de Stacy DeMarco. Et on va prendre également l'oracle des secrets de ma belle Iris et Linac. Voilà. Donc, vous avez le choix entre trois petites citrouilles. Vous avez l'habitude ces dernières semaines. Vous avez la citrouille magicienne, la miaou et la petite sorcière. Vous avez vu, je vous ai même sorti ma bougie Candy Corn de chez Yankee Candle. Elle sent super bon. Bon, je vais mélanger. Pendant ce temps-là, ben, hop, vous pouvez déjà réfléchir au choix que vous allez prendre. Je ne sais pas chez vous en France, mais chez nous, en Belgique, en plus, ce week-end, on change l'heure. Donc, on recule d'une heure et du coup, on pourra dormir une heure de plus. Et les enfants, ici, en Belgique aussi, les enfants sont en congé à partir de lundi. Apparemment, chez vous en France, ils sont déjà en congé depuis une semaine, mais ici, ça va nous faire vraiment beaucoup de bien, je pense. On va se reposer, du coup. Voilà, voilà. Bon, ben, du coup, je vais bouger ça. Je vais étaler et je vais tirer, je pense, deux cartes pour chaque. Voilà. Comme ça, ma boute, elle se pousse. Elle regarde de l'autre côté. Voilà. Alors, celle-ci et hop la boum, celle-là. Je suis en train de me réfléchir où je vais déposer mes cartes. Voilà, et alors l'oracle d'Halloween avec son dos enfantin, comme certains disent. Voilà, voilà, voilà. Là, j'ai pris le guidebook près de moi pour vous lire le petit message. Ouais, celui-là, il me semble bien, il ne s'étale pas spécialement trop bien. Donc, les énergies, du coup, pour ce week-end, dernier week-end d'octobre, j'en reviens pas, qu'on est déjà presque en novembre. Bon, ben, on va commencer, du coup, par ceux qui ont choisi de bouger comme ça. La petite sorcière. La magicienne, plutôt, oui. La chasse et l'œil. La chasse, donc la conquête, le trophée, la poursuite. On a déjà eu ça dans les énergies de la semaine passée. Et l'œil, précaution, vigilance, observation. Bah ici, peut-être qu'on vous dit qu'avant de poursuivre peut-être un projet que vous avez en tête, bah il va peut-être falloir passer par une petite phase d'observation. Vous savez, quand parfois, on observe ce qui se passe sans rien dire et on reste quand même vigilant, on prend ses précautions hein, pour pas se louper non plus. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie... d'amener à bien, d'accomplir, ben restez quand même vigilant, prenez vos précautions, étudiez bien le pour et le contre, regardez, je ne sais pas moi par exemple, si vous avez le droit de le faire, enfin prenez bien tous vos renseignements, vos précautions, observez aussi s'il faut autour de vous, comment ça se passe, mais prenez vraiment vos précautions, observez vos renseignements avant de mener votre projet à bien. Pour être sûr, évidemment, de ne pas mettre toute votre énergie dans ce projet, de vous fatiguer pour rien, si jamais, au final, ça ne viendrait pas, ça ne se terminerait pas comme vous voulez. Voilà. Mais, et parfois, c'est souvent comme ça aussi, quand on est mieux renseigné, bien, vaut mieux, deux fois mieux renseigné que pas du tout, pour éviter, voilà, de faire des bêtises. Voilà, voilà. Et pour l'oracle d'Halloween, on a la pomme. Risque et récompense. C'est marrant comme ça va bien ensemble. Ben voilà, étudiez justement, hein, étudiez les risques que vous pourriez... le pour et le contre, la balance, quoi. Les risques que vous pouvez prendre et les bonnes choses que vous pourriez en tirer. Faites peut-être une petite feuille. Vous savez, moi, je fais ça parfois, le pour, le contre. Et je mets, et alors je regarde la balance entre les deux pour essayer justement d'avoir une idée sur ce que je dois faire, quoi. C'est vraiment ça, c'est marrant comme c'est cette carte-là qui sort. Et du coup, on va prendre le guidebook qui, oui, il est classé quand même. J'allais dire qu'il n'est pas classé.
par ordre alphabétique. Donc la page 31, je vais vous lire vite fait ce que ça dit. Papapap, donc la pomme, ça nous dit... où est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Ici, voilà. Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez-vous vos arrières et non, protégez-vous vos arrières et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences. Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit. Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente? Au contraire, prenez-vous trop de risques démesurés trop souvent. Ah ben, c'est marrant comme ça colle vraiment avec les autres cartes, quoi. Ben ici, c'est peut-être justement pour vous dire que peut-être que vous prenez justement dans l'autre sens trop vos précautions, vous analysez peut-être trop, vous êtes peut-être trop dans le mental, vous avez peur de prendre des risques et du coup, vous stagnez un peu sur place. Soit vous prenez trop de risques. Et là, on vous dit de faire attention, de rester vigilant pour pas ben, vous prendre un vent, un râteau, on va dire. Hein. Ou alors, on vous dit que vous en prenez trop et que peut-être ben, qu'il va falloir lâcher du lest, un peu moins réfléchir et foncer. Ça, évidemment, c'est à vous de voir par rapport à votre situation, ce qui vous parle le plus. Si à votre avis, vous foncez trop vite sans réfléchir ou si vous réfléchissez trop, justement, et au contraire, il faudrait prendre plus de risques. Voilà pour ceux qui ont choisi notre petite magicienne. Eh bien, je suis triste. Je ne sais pas si je vais les mettre de côté, mes petites citrouilles. Je pense que même si Halloween est fini, ben, je vais quand même les garder en choix à faire. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi Miaou, on a les fauves et l'arbre. Ouh là là, ici, je vois désaccord, querelle, conflit, héritage, génération et origine. Donc, j'ai peut-être envie de dire, vous allez peut-être avoir une querelle, des conflits, des bagarres par rapport à un peu, ça pourrait, un héritage ou des conflits par rapport, l'arbre, ça peut aussi représenter, ouais, tout ce qui est génération. C'est marrant parce qu'en plus, Halloween, enfin, Samhain, c'est vraiment honorer ses ancêtres. Donc ceux qui sont plus là, notre héritage hein, familial. Et bah, peut-être que ce week-end, vous allez être en désaccord. Il y aura peut-être des conflits ou des querelles par rapport justement à des choses que... Héritage, ça ne peut pas... C'est pas spécialement de l'argent. Hein. Ça peut être un héritage, je ne sais pas moi, de savoir qu'on vous a transmis quelque chose ou... Ça peut aussi être un conflit entre générations, par exemple. Vous savez, parfois, on a plus tendance parfois à se disputer avec les plus anciens parce qu'on n'est pas du tout de la même génération. Par exemple, ma maman me dit toujours, ouais, les enfants sont sur leur téléphone, etc. Mais c'est vraiment leur génération. Ils sont nés là-dedans. C'est pas comme nous qui, il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était un GSM, quoi. Donc, peut-être qu'il y aura des petits conflits entre générations. Faudra peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin ce week-end pour éviter que ça dégénère. Hein. Voilà, c'est jamais gai que ça dégénère en bagarre. Voilà. Ouh, la cristallomancie. Elle est belle cette carte. L'intuition. Bah, ici, on va peut-être vous dire de suivre votre intuition. Peut-être écouter, peut-être justement les ancêtres qui vont peut-être essayer de vous faire passer un message vu que le film, oui, entre les vivants et les morts est le plus mince ce week-end avec Samhain, peut-être qu'ils vont essayer de vous glisser un petit message ce week-end à vous d'écouter votre intuition et d'essayer de capter du coup le message qu'ils auraient peut-être à vous transmettre. Et on va chercher du coup dans le livre, je cherche la bonne page, voilà. Alors, si vous tirez cette carte de cristallomancie, je vous suggère de commencer par découvrir cette technique. Vous aurez peut-être à cœur de ne pas compter uniquement sur les fonctions logiques de votre esprit pour répondre à toutes les questions, mais de renforcer également votre intuition. La véritable sagesse s'appuie sur un équilibre entre logique, imagination et intuition.
Voilà, oui, moi j'aime bien essayer de suivre mon intuition par cette petite voix. Je vous en parle souvent, hein, qui au fond de nous, on l'entend, mais on n'a pas toujours envie de l'écouter. Et au fond, elle sait très très bien ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc, ben, gardez votre intuition aiguisée. Ce week-end, peut-être que les ancêtres essayeront de vous faire passer un petit message, qui sait, pendant ce week-end de Samhain. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la petite sorcière. Regardez le bout, elle est punie. Elle s'est retournée vers la bougie. Oh là là, je vais arrêter avec mes bêtises. Alors, le monde, waouh! Et là, les bagues. Le monde, c'est la protection, la communauté et les liens. Et les bagues, évidemment, alliance, engagement et promesses. Peut-être que bah, du coup, ce week-end, vous allez resserrer les liens avec votre communauté, avec votre famille, vos ancêtres. Vous allez vous sentir protégé dans votre bulle. Ouais, voilà, vous allez peut-être avec votre conjoint que vous allez du coup vous sentir protégé chez vous. Vous allez peut-être resserrer les liens et les alliances. Évidemment, ça pourrait de nouveau être que vous alliez officialiser les choses, peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, ou tout simplement officialiser ça au niveau de l'État, qui sait, ou tout simplement peut-être aussi vous faire une promesse comme ça, de vive voix l'un l'autre, pourquoi pas également. Mais ici, on a vraiment le monde, la communauté, les liens, peut-être aussi que vous allez aller, ça peut, il y en a peut-être aussi qui iront ce week-end du coup au cimetière pour honorer bah, les disparus, mettre des fleurs, honorer les liens, justement, peut-être aussi du coup l'engagement, tenir son engagement, ça vous tient peut-être à cœur d'aller mettre un petit quelque chose sur la tombe des disparus, voilà, pour regarder les liens, justement, voilà. C'est ce qui me vient. Et ici, on a les talents cachés avec un chant dans la nuit. Cette carte, je la trouve magnifique avec cet oiseau. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait un jet. On va aller voir du coup vite dans le guidebook. J'ai ma voix qui s'en va. Où es-tu? Ah, ben c'est la dernière du guidebook. Voilà. Un chant dans la nuit. Qu'est-ce que ça nous dit? Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi. Regardez, certains présents lovés en votre for intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre, vous n'avez plus d'excuses. C'est marrant parce qu'on retrouve le mot. C'est où que je l'ai vu? Engagé, alors qu'on l'a exactement là sur la carte engagement. Peut-être qu'il va falloir justement, comme ils disent ici, hein, bah vous rendre compte que vous avez plein de bonnes choses en vous. Ce sont des cadeaux. Et bah, il serait peut-être temps aussi d'être un peu plus moins dur avec vous et de voir le beau en vous. Voilà. Les talents cachés, parce qu'on a tous des talents cachés, bien entendu. Et essayez d'être un peu moins, peut-être dur envers vous-même. Voilà. Et du coup, ben, de vous engager. C'est marrant comme ça ressort. Voilà pour les petites énergies de ce week-end, du coup, de Sowin. Hein. Vous me direz en commentaire, ben, du coup, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Si je mettais ça droit, ce serait peut-être mieux. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu. Ça me fait toujours plaisir. Et pour le reste, ben, je vous souhaite déjà un très bon week-end, un très bon Sabbat Samhain, Halloween pour ceux qui ne fêtent pas Samhain, et un bon dernier dimanche et week-end d'octobre. Je vous envoie mille bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!